Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un make-up blabla. Donc ça fait un petit moment que j'en fais pas, mais là j'avais quand même pas mal de nouveautés, donc je me disais que c'était sympa de vous montrer ça. Donc notamment le nouveau concealer de chez Sun Cosmetics, j'ai pris aussi deux fonds de teint en échantillon pour voir les teintes, le duo Lumiferme de chez Fit Glow, les nouvelles palettes que j'avais reçues de chez Clove Analo et Ether Beauty. Donc je me suis dit qu'allez, c'était l'occasion de faire un make-up blabla. Je vais commencer par m'attacher les cheveux. Alors j'ai mis mes soins comme d'habitude, donc je suis toujours avec ma routine Oskia qui me plaît beaucoup, notamment le sérum Get Up and Glow que je trouve vraiment bien. Donc là j'ai la peau bien sûr nue, toujours pareil, j'ai toujours quelques petites rougeurs, mais voilà, rien de fou, rien d'imperfection. Je trouve qu'en plus là j'ai mis mon cercle lumineux parce qu'aujourd'hui il fait un temps absolument dégueulasse et ça fait toujours la peau plus claire et un petit peu plus rosée que ce que moi je vois en retour caméra. Donc on va voir. Alors, nouveau concealer de chez Sun Cosmetics. Donc si vous vous rappelez bien, si vous avez connu, ils étaient avant comme ça et maintenant ils sont comme ça. Donc c'est quand même une très très jolie évolution de packaging et de formule. Moi j'étais pas fan de la formule initiale du Sun, ni des couleurs d'ailleurs, et là je trouve que celui-là, je l'ai essayé cette semaine, il est vraiment pas mal. Donc cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai utilisé en lieu et place de mon Clove Analo, mon préféré, celui-ci, que j'utilise en correcteur anti-cerne fond de teint. C'est un monde tout en un de la semaine en tout cas. Et je l'ai trouvé vraiment bien, moins desséchant que le Clove Analo si vous avez la peau un petit peu plus sèche comme moi actuellement en hiver, là quand il fait très froid comme ça. Et j'ai trouvé qu'il était peut-être un tout petit peu moins couvrant, ceci dit. Donc je sais pas, parce qu'avant d'utiliser, quand j'ai quasiment terminé mon Clove Analo, donc j'avais ressorti mon Nu Evolution, vous savez, celui comme ça là, que j'aime bien parce qu'il a un côté couvrant mais très naturel, mais surtout très hydratant. Donc pour moi le Sun Cosmetics se situe un petit peu entre le Clove et le Nu Evolution. Aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais tester les échantillons de fond de teint. Alors j'ai deux échantillons, la teinte Linen et la teinte Sand. Je vais le tester, je ne l'ai pas testé du tout, je ne sais pas ce que ça vaut. Je porte en général pas de fond de teint, donc là je me suis dit que c'était l'occasion pour tester ça. Je pense que ma teinte va être la Sand et on va commencer d'ailleurs par lui. Donc je vais vous faire deux petits swatchs déjà pour les couleurs, je ne sais pas trop. Je pense que comme d'habitude je vais être encore un peu entre deux, ce qui est très chiant parce que la Linen est là et la Sand est là, donc grand écart alors qu'elles se suivent. Je trouve que l'écart est assez faramineux, mais une chose est sûre, c'est que la Linen pour moi sera trop clair, surtout que le dos de la main est toujours plus clair que le visage en réalité. Donc je partirai quand même sur la teinte la plus foncée, qui je pense d'ailleurs sur moi ne va pas être très foncée. Voilà, allez, on va tester la Sand. Alors je me suis un petit peu rapprochée, je vais partir sur la scène et puis on verra bien. Ce que je vais faire quand j'applique un fond de teint pour la première fois, c'est que je l'applique toujours avec les doigts parce que j'aime bien voir la matière, voir comment ça réagit par rapport à ma peau. J'espère qu'il va être assez naturel parce que j'ai pas trop envie des teintes trop maquillées. Voilà, on va voir. Je vais pas en mettre 2 tonnes, je vais en mettre un petit peu et puis on va voir ce que ça donne. Je préfère toujours reprendre un petit peu s'il le faut avec du correcteur que multiplier les couches de fond de teint. Au doigt, allez, au doigt. Alors, il s'étale plutôt bien. Et j'ai l'impression qu'il n'est pas non plus ultra couvrant. Et plutôt lumineux, d'après ce que je vois pour l'instant. Le front, c'est là où j'ai quand même quelques petites rougeurs, notamment de part et d'autre au-dessus des sourcils. Ça a toujours été comme ça, donc plus ou moins, mais quand même, elles sont toujours un petit peu à camoufler quand je veux quelque chose d'assez uni. Alors, je vais pas faire les cernes parce que je vais les faire à un petit cerne. Alors, si je regarde de près, je dirais que ils se font assez bien, mais il faut quand même le travailler parce qu'il aura tendance. Moi, je trouve qu'il marque les pores. Alors j'aurais peut-être dû utiliser un primer, mais vous allez voir de plus près tout à l'heure. Moi je trouve qu'il a tendance un petit peu à marquer mes pores qui habituellement avec un correcteur par exemple ne se voient pas, notamment de part et d'autre du nez ici. Ouais. Bon, après
je suis pas une bonne référence pour le fond de teint parce que j'aime pas ça. Donc j'en ai pas depuis tellement longtemps que je me suis complètement déshabituée à porter du fond de teint. Ensuite, on va passer au correcteur en teinte naturelle médium. Là, je vais en rajouter volontairement sur le nez parce que j'ai toujours besoin d'une extra correction avec mes petits vaisseaux qui ont tendance à se voir. Et je vais en remettre un petit peu ici, quoique normalement je fais ça après plutôt le blush. Et je viens prendre mon pinceau Real Techniques qui est le... ça se voit encore ou pas? Je sais plus. Le Expert Concealer Brush. Alors, le concealer, moi je le trouve quand même relativement bien. Après, si vous avez besoin de beaucoup de correction, je pense que il vous suffira pas. Moi je le trouve relativement transparent, ce qui me va bien. Mais je pense que si vous avez des grosses cernes à corriger, vous voyez, moi j'ai très peu de choses à corriger. C'est vraiment pour rééquilibrer un petit peu la couleur, illuminer le coin vraiment interne de l'œil. Et alors, ce que j'apprécie particulièrement, c'est que c'est un fond de teint qui ne se faufile absolument pas dans les petites rides du contour de l'œil. Il reste vraiment léger et discret. En revanche, et vous allez le voir tout de suite, il n'est pas capable, par exemple, de corriger mon petit vaisseau sanguin qui est là. Donc vous, en retour caméra, je ne sais pas tellement ce que vous voyez, je le verrai au montage. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je trouve que, globalement, et ça vaut pour les deux produits, ils sont pas hyper couvrants et ils ont pas une très très grande affinité avec la peau, notamment le fond de teint. J'aime bien le correcteur, ceci dit. Je trouve qu'il a un côté vraiment crémeux, naturel et vraiment fini semi-mat comme ça, qui ne se met pas dans les ridules. Et ça, j'apprécie beaucoup parce que dès qu'on commence un petit peu à rentrer dans l'âge où on a un petit peu des ridules du contour de l'œil, c'est très facile de venir marquer son contour de l'œil avec du correcteur. Pour contrer ça, on va poudrer, donc on va encore alourdir le contour de l'œil, chose que moi je ne fais jamais parce que je trouve que ça se voit très vite. Et là, je trouve qu'on a une couvrance qui est certes pas intense. Si vous avez des grosses cernes à corriger, ça ne sera pas pour vous. En revanche, je trouve qu'on a un fini ici qui est vraiment sympa, qui reste lumineux et qui reste hydraté. Donc ça, c'est top. J'ai l'impression que le fond de teint a commencé un petit peu à mieux fusionner avec ma peau et a un rendu plus sympa. Donc voilà, on va voir au fil de la vidéo et à la fin ce que ça donne, mais là c'est déjà un petit peu mieux qu'avant le correcteur. Bien, alors ensuite, ce que je vais faire, on va continuer avec le teint, ou alors ce que je fais, je vais faire mes sourcils. Je fais mes sourcils et je reviens, comme ça c'est fait. Je les fais toujours avec le Echo Brow en teinte Sharon, et je viendrai appliquer le mascara Ilia face caméra. Voilà, donc les sourcils sont faits, je vais juste venir mettre mon mascara, donc c'est le Ilia. Le Essential Brow, il me semble, oui, en teinte medium brown. Ouais, le fond de teint, j'ai l'impression qu'il lui faut un petit temps d'adaptation, mais je le trouve plus sympa là. Donc je les brosse vers le haut. On m'a demandé qu'est-ce que je pensais de ce mascara par rapport au 100% pur que j'utilisais avant. Alors j'aimais beaucoup le 100% pur, je pense que la couleur que je prenais était peut-être un petit peu plus claire, j'aurais peut-être dû prendre la couleur plus foncée après réflexion. J'ai une petite préférence pour celui-là parce que j'aime mieux la brosse et je trouve qu'il charge moins le sourcil en un seul passage et on peut un peu mieux travailler les poils. On a un effet poil à poil qui est très intéressant et mon voisin vient de se dire que ce serait une bonne idée s'il commençait à faire des travaux dans son appartement. Donc je suis désolée si vous entendez des bruits de marteau, etc. Moi je les entends, on va faire avec. Hein. Voilà, donc on est bon au niveau des sourcils. Maintenant, je vais utiliser le duo Lumiferm de chez Fit Glow. Alors, tout d'abord, la teinte bronze, qui est un bronzer, que je vais appliquer avec le pinceau contour brush de chez Real Techniques. Alors, c'est un bronzer, si vous êtes comme moi, c'est-à-dire médium, en teinte, en couleur de peau, ça ira, mais vous allez voir qu'il est assez clair. J'ai tendance à préférer, en tout cas pour la belle saison l'été, celui de chez Vapour. En revanche, pour l'hiver, le bronze est très bien. Si vous êtes plus foncé que moi, il sera trop clair. Mais si vous êtes comme moi, il est juste bien pour maintenant. Ça fait un contour naturel, qui reste lumineux et qui est vraiment très très joli sous la lumière d'hiver. Je trouve qu'il est très flatteur. Donc je l'applique vraiment au point où on veut creuser un petit peu, hein, sous la pommette. Assez légèrement, parce que moi j'aime pas trop faire un contouring trop marqué, mais je trouve que voilà, il ombre vraiment très joliment le sous-pommette, et vraiment il est vraiment sympa, il est naturel, j'aime vraiment beaucoup. Et je viens toujours en mettre un petit peu moi, au contour de mon front qui est assez dégagé.
Voilà. Et alors pour les nostalgiques du orgasme de chez Nars, je trouve que le Joy, donc qui est le blush crème comme ça, est très très ressemblant. C'est vraiment un rose pêche avec des reflets dorés, très ressemblant au orgasme que je portais il y a très 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 longtemps. J'essuie mon pinceau, je vais l'appliquer avec le même pinceau. Et quand j'utilise ce blush, je n'utilise pas d'highlighter parce que je trouve qu'il est quand même relativement lumineux. Et bon, moi je n'aime pas trop l'effet trop lumineux comme ça en journée, et je trouve qu'il vraiment il se suffit quoi, il est vraiment très lumineux. Donc pas besoin d'utiliser un highlighter avec lui. En revanche, il apportera pas énormément de couleur, je trouve, à la pommette. Il va la sublimer, mais il va pas non plus apporter beaucoup de couleurs, type le Very Popular ou le Very Charming par exemple de chez Tata, dans ce genre de Tata Harper. Je trouve que c'est ni l'un ni l'autre, c'est ni le Very Popular ni le Very Charming, c'est le Very, je ne sais plus, celui qui est un petit peu pêche dorée comme ça. Le Tata Harper est plus concentré au niveau de la couleur que celui-ci, qui a un côté plus lumineux, mais très très joli, et notamment en journée, il apporte beaucoup de glow. Je trouve qu'il est vraiment très sympa. Donc voilà pour le petit duo Lume Offer. Il tient relativement bien, après il ne faut pas perdre de vue que c'est quand même des produits crème. Donc si vous avez une peau grasse, il va évidemment moins tenir. Dans la journée, il risque de se déplacer un petit peu. Mais globalement, il reste assez joliment sur le visage et il s'en va d'une manière pas anarchique. Donc ça reste assez joli. Ensuite, la poudre Fortini Cosmétique dont je me sers pour matifier un petit peu le centre du visage. Donc toujours avec mon pinceau Laura Mercier, qui est à la base un pinceau à joues. En plus, cette édition-là ne se fait plus, donc c'est pour ça que très souvent, je ne donne pas la référence, parce que tout simplement, on ne peut pas le trouver. Et ce que je fais, c'est que je passe avec ce qui me reste sur le pinceau, c'est-à-dire que je ne retrempe pas, je passe juste sous les yeux pour très 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 légèrement fixer, mais vous allez voir de près que vraiment, il n'y a rien qui file dans les plis, et pourtant là, j'ai l'œil qui est assez marqué, vous voyez, c'est un petit peu gonflé et tout. J'ai eu une grosse semaine, on est rentré dans la période fiscale, donc la fatigue va commencer à se voir physiquement. Et du coup, je suis un peu plus attentive à mon concealer parce qu'il fait quand même la différence, quoi. On va poursuivre avec les yeux, donc toujours ma base Ilia, là c'est une toute neuve puisque j'avais fini la précédente. Moi c'est toujours une base que j'aime beaucoup, qui fonctionne très bien sur moi. Je sais qu'elle fonctionne pas sur tout le monde malheureusement, mais bon, moi j'ai trouvé un peu mon graal, je dois l'avouer. Alors c'est évident qu'elle fonctionne un peu moins bien avec des produits complètement, enfin que des produits crème, mais de toute façon, moi déjà, quand j'utilisais la Urban Decay ou la Too Faced, avec des ombres crème, ça n'a jamais été non plus 100%, hein, donc voilà, comme ça me va bien. Alors, ce que j'ai beaucoup fait cette semaine, et c'est le maquillage que je portais la semaine dernière, c'est utiliser ces deux ombres mates de cette palette Club & Lo que j'aime beaucoup. Alors, je dois avouer que j'utilise assez peu les teintes très irisées. J'ai un petit peu utilisé celle du milieu, là, la champagne, qui est assez jolie, mais j'ai beaucoup utilisé ce duo-là. Beaucoup m'ont demandé de le comparer à la palette de chez Antonyme. Alors, Antonyme, le brun est un petit peu plus médium, il est un peu plus, tout petit peu plus clair que celui-là, et le rouille est irisé et beaucoup plus dans le rouge, et celui-ci est beaucoup plus dans l'orangé type bronzer. Donc c'est pas tout à fait les mêmes, moi je me sers des deux, mais si vous devez en avoir qu'une, moi j'utilise vraiment beaucoup le mat. Donc je dirais que la Antonyme suffit, même s'il n'y a qu'un seul mat, les ombres autour se construisent très bien, franchement les deux sont bien, voilà, j'aurais du mal à vous les départager. Dans l'Eyeser, je me sers probablement du fard dont tout le monde se fout sauf moi, c'est ce fard là, qui est un beige couleur de ma peau, couleur de ma paupière, qui est absolument parfait pour venir flouter n'importe quel dégradé, pour unifier ma paupière quand je veux un maquillage hyper léger, c'est-à-dire que je vais porter par exemple un rouge à lèvres franc, je veux juste unifier ma paupière, porter un peu de mascara et mettre un tout petit peu de crayon en ras de cils pour épaissir un petit peu le ras de cils. C'est mon produit préféré. J'aime beaucoup aussi cette couleur qui permet de faire des jolis creux. Celle-ci qui est aussi très lumineuse quand on va porter une touche lumière dans le coin interne. J'ai pas énormément joué avec celle du milieu, tout simplement parce que c'est des ombres qui sont beaucoup plus métallisées, pailletées. C'est moins ma came, vous le savez, hein, je suis pas connue pour mes maquillages extravagants et très travaillés. Moi je fais plutôt dans le naturel, c'est ce qui me plaît. Donc aujourd'hui je vais faire
le make-up que je porte tous les jours en ce moment, c'est-à-dire un maquillage un peu tourné, toujours un peu dans les mêmes tons, mais d'un autre côté, j'ai réessayé cette semaine du gris. C'est-à-dire que j'ai fait l'association de ces deux gris bleutés-là. Ben, j'aime pas du tout ce moi. Je trouve que c'est hyper froid, ça me durcit, ça me vieillit, je trouve que c'est pas du tout... ça me va pas bien du tout quoi. Donc je reste persuadée quand même que les tons bruns, les orangés, toutes les déclinaisons de beige, brun, etc., bronze, me vont beaucoup beaucoup mieux que le côté froid des ombres à paupières qui, à part du noir à la limite, c'est tout. C'est vraiment quelque chose qui ne me va pas bien, le gris, alors que j'aime beaucoup sur les autres, mais sur moi ça ne fonctionne pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par appliquer l'ombre qui est un petit peu orangée là, sur toute la paupière mobile. Donc ça, c'est vraiment le make-up que je porte depuis... j'ai porté ça depuis que j'ai reçu cette palette en fait, quasiment. Parce que c'est celle que j'ai fait le premier jour, elle m'a beaucoup plu et du coup je suis un peu restée bloquée dessus. D'abord parce que en ce moment, le matin, c'est un peu la course, j'essaie de pas partir trop tard et tout, donc voilà. Et j'essaie de reprendre le temps de déjeuner, parce que ça fait un petit moment maintenant que j'ai changé un petit peu ma routine du matin, où au lieu d'emporter mon petit déj, je le prends à la maison. Donc je passe un peu moins de temps dans ma salle de bain. Déjà, j'y passais pas énormément de temps, mais là j'ai encore réduit ce temps-là, parce que voilà, j'aime bien la simplicité le matin et pas trop me prendre la tête sur le maquillage, etc. Ensuite, je viens prendre le brun mat et un pinceau creux, et je viens l'appliquer dans le creux, hein, comme sans aucune surprise. Et je le monte un petit peu quand même. J'aime bien faire un creux qui est un petit peu plus haut que ce que je ferais d'habitude. Je dépasse largement du creux. Et je viens en mettre aussi vraiment en coin ici, externe. Et je trouve que vraiment l'association de ces deux couleurs fonctionne hyper bien. J'aime vraiment beaucoup. Je vais vous faire un close-up à la fin. Vous verrez que c'est assez sympa. Alors ces ombres chez Club de l'eau, elles sont vraiment faciles à appliquer. Facile à estomper, elles tiennent vraiment bien, elles sont pigmentées, elles font pas beaucoup de chutes. Je les trouve vraiment bien. Les Easer ont tendance à être un petit peu plus poudreuses que la palette Club. Voilà, ensuite ce que je fais, c'est qu'avec un pinceau bien fluffy, type celui-là, ça c'est le ponytail de chez Laura Mercier, je viens prendre l'ombre beige qui s'appelle Sandstone, et qui doit n'intéresser, je pense, personne. Et je viens la placer au-dessus de mon brun, et j'en profite pour flouter un petit peu mon brun, et je trouve que vraiment, c'est absolument parfait. D'abord parce que les ombres, elles ont beau être poudreuses, vous voyez, je sais pas si vous le voyez de là, elles sont quand même bien pigmentées et couvrantes. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'en mettre 2 tonnes pour arriver à faire un truc sympa. Et vraiment, je trouve que cette couleur-là est juste parfaite pour faire ça. Ensuite, je viens prendre un petit pinceau précision pour le Ratsy. Là, c'est un MAC, un E30. Je ne sais plus trop le nom, pardon, parce qu'il est complètement effacé. Et je viens prendre le brun mat que je vais venir, évidemment, appliquer en Ratsy inférieur. Pour apporter un petit peu plus de définition au cils du bas. Alors sur le ras de cils inférieur, j'aime bien ne pas trop porter de orangé, parce que je trouve que ça a tendance à faire un petit peu les yeux un peu plus rouges, et j'aime un peu moins, je trouve que ça fait un peu moins en santé quoi. Et ensuite je viens prendre cette couleur là qui est vraiment un highlight, hein, pour la paupière, avec un petit pinceau précision comme ça, Real Techniques, et je vais venir en mettre vraiment assez précisément sous l'arcade là. Là où ça pourrait accrocher la lumière, et je dégrade un petit peu. Et ici, bien sûr, en coin interne pour vraiment illuminer. Parce que comme je n'utilise quasiment que du mat, c'est vrai que j'aime bien ramener un petit peu de lumière quand même à un moment donné. Voilà. Donc moi je m'arrête là. On pourrait intensifier évidemment, hein, si vous aimez quelque chose de plus foncé, vous pouvez bien sûr intensifier. Pour moi c'est bon, je vais utiliser le mascara.
Donc là, je suis sur la fin de mon petit échantillon. Et je sais pas si vous avez vu sur Instagram, j'ai posté ma dernière commande de Green Jungle Beauty Shop, où j'ai pris du coup ma base. Il y a deux produits Ilia sur cette photo, enfin qui n'y est plus, mais il y avait deux produits Ilia. Il y avait la base à paupières, puisque j'avais terminé la mienne, et le mascara Limitless, qui était enfin arrivé en vente sur le site. Donc je viens d'appliquer deux couches. Pour moi, c'est devenu mon mascara idéal, je le trouve top, et je reviens vous voir pour la bouche. Donc voilà ce que ça donne avec deux couches de mascara. Moi, je trouve que ce mascara, il est même mieux que mon une d'avant. Je le trouve parfait, il attrape chaque poil, il apporte du volume, il apporte un cil bien noir, de la longueur, je le trouve parfait. Alors, ce que je fais tout le temps en ce moment, vous m'avez beaucoup posé la question ces derniers temps, qu'est-ce que je portais sur les lèvres sous ma vidéo sur les sacs ou autre. C'est ce duo, donc c'est le lip liner 100% pur en teint chai que j'utilise pour faire un contour léger et plumper un peu mes lèvres, et ce rouge à lèvres, beurre à lèvres de chez Josie Maran qui s'appelle le Embrace It Honey, et que j'avais eu dans le kit dont je vous parlais dans mon haul beauté. Donc Josie Maran, je crois qu'on ne peut pas trop trouver ça en France, malheureusement. Quelqu'un a dit qu'elle en avait acheté sur QVC. Je crois que c'est Joy qui a dit ça. Alors une personne disait oui, mais moi QVC j'ai eu des problèmes. Voilà. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Moi je commande de temps en temps par le biais d'une amie sur Sephora US. Donc voilà, je peux en acheter de temps en temps. Après je reconnais que c'est pas évident à trouver du Josie Maran, mais après ça reste un beige assez c'est assez classique hein, comme couleur. Hein. C'est pas assez. C'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire, hein. C'est un beige rosé nude, hein. Voilà, rien de plus. Donc l'idée avec le crayon, c'est vraiment de venir apporter un petit peu plus de volume, mais d'un côté assez naturel, quoi. Il faut pas trop déborder et pas trop insister sur le contour, il faut que ça reste quand même quelque chose d'assez nude. Et c'est pour ça que ce crayon, il est bien pour ça, parce qu'on peut l'appliquer d'une manière appuyée ou en légèreté, et il se marie très très bien, il est juste là, avec toutes les couleurs un petit peu nude comme ça. Voilà, et ensuite, bien... je passe dessus avec le rouge à lèvres. Donc voilà ce qu'on a. Je vais vous faire un petit close-up sur les yeux, le teint, comme ça vous voyez un petit peu de plus près, le lumiferme et le fond de teint, le correcteur et la bouche. Donc vous voyez, je trouve qu'on voit un peu plus la texture de la peau avec ce fond de teint que... Habituellement, je n'ai pas forcément quand j'utilise juste du correcteur. Je trouve que le résultat est plus naturel quand j'ai juste du correcteur. Je trouve que là, on voit plus, on voit moins la peau, et en même temps, on voit plus le défaut de la peau. Je ne sais pas comment expliquer. Je trouve ça peut-être un peu moins sympathique. Voilà, pour les yeux et pour la bouche. Donc voilà pour ce make-up blabla, spécial nouveauté. C'est vraiment le make-up que je porte tout le temps, tout le temps. C'est vrai qu'on se voit pas beaucoup en ce moment en daily look, etc. Même plus, puisqu'en fait je rentre plus vraiment à la maison. Souvent je travaille au bureau entre midi et deux, je reste travailler. Donc c'est vrai qu'on se voit beaucoup moins entre midi et deux par exemple. Je poste quelques looks sur Instagram si vous me suivez pas et que vous avez envie de voir des looks. Ben, il faut aller sur Instagram. Actuellement c'est pour moi plus simple de juste poster une photo que de tourner une vidéo quand je rentre pas, évidemment. Et puis ben, on va se dire à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais vous filmer un gros résumé qui n'est même plus un résumé de la semaine, mais un résumé du mois, on est d'accord. Et puis vous avez été assez nombreuses à me demander une vidéo sur mes chaussures et accessoires accès un petit peu luxe, de faire un petit peu pareil que pour les sacs, donc parler des points positifs et des points négatifs, les achats que j'ai éventuellement regrettés ou au contraire pas du tout. Donc je vais vous préparer ça dans ce week-end, je pense, pour vous montrer un petit peu les chaussures et les accessoires. Voilà, si ça vous dit, ben, moi aussi. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.